Alors, bonjour, bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, c'est férié. Voilà, je suis en train de nettoyer un peu l'appartement. Parce que je suis tranquille, je suis calme, tout seul, c'est bien. Préparer tous mes casques. C'est important, les casques. Je vais vous montrer des casques, ma collection des casques. Alors là, on a une collection, le premier casque. C'est un casque très sympa, avec une caméra. On peut le retirer aussi. Et il y a des lumières derrière clignotantes. C'est très bien ça dans la nuit. C'est pour faire des rollers, on peut faire des trottinettes électriques, de vélo. Il y a un casque qui n'est pas trop cher. Je l'ai acheté environ 60 euros à peu près. C'est une marque française. Hein. Et surtout, c'est important que ça vienne avec les lunettes. Les lunettes, c'est très bien ça parce que on protège les yeux. Alors ça donne un peu ça. Ça veut dire que si on met le casque ici, ça donne tout ça. Plus la masque. La masque, c'est très important. On avait des filtres spéciaux pour éviter la pollution. C'est très dangereux la pollution. Et ça donne ça, vous voyez? C'est très sympa, c'est un joli casque que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup surtout pour faire en été de roller, même des skates, parce que c'est léger et les lunettes sont magnifiques, sont des lunettes, on voit très clair, c'est super. Alors, mon ancien casque, c'est un casque qui est très confortable, elle est très bien pour l'hiver, elle est très très bien couverte dedans. C'est vrai qu'en hiver c'est magnifique parce qu'on peut avoir froid et tout ça. Et aussi on peut mettre des protections des oreilles là. C'est très magnifique, c'est un super casque. Plutôt une protection comme ça, c'est très bien. On dirait qu'on va désactiver une mine. Il a le feu rouge aussi derrière et aussi un clignotant et ça que je ne vais pas charger. C'est un casque très très bien. La marque est hyper belle, mais j'ai utilisé pas mal de fois. Et ça donne comme ça, c'est magnifique, j'adore. Ça donne ça. Pas mal. Ça fait un peu militaire. C'est cool. C'est très très bien, c'est un casque très costaud. Magnifique. En plus, on peut faire plein de choses avec ces casques, des rollers, des skates. Faire des trottinettes électriques, ça tombe dans. Moi je fais des trottinettes électriques, alors je me mets plutôt ça. Et après, on a une autre, celui-là, je l'aime bien, c'est une casque que j'ai fait une modification. Ça veut dire qu'il n'y a pas de clignotant derrière, c'est pas grave, mais je l'ai mis une super lumière, super puissante. Voilà, vous voyez, waouh! Ces lumières-là, on peut allumer à 150 mètres et c'est trop fort, waouh, vous voyez, c'est magnifique, une autonomie environ de 4 heures la lumière, mais c'est parfait, c'est avec un chargeur, c'est super, c'est un super casque, ça donne comme ça, ça donne comme ça, voilà, pas mal, hein? Ça fait aussi un peu militaire, un peu mineur, je sais pas, c'est super, j'adore. Ce casque-là est très costaud. Et surtout, ce casque-là, il peut aller avec des lunettes. Parce que ces lunettes sont magnifiques. Ce sont des lunettes qui ne sont pas chères. Je vais acheter à Lidl. Vous n'allez pas croire combien. Je l'avais acheté à 14 euros, je pense. C'est des lunettes de sport. Et c'est bien parce que, comme si celui-là, il n'a pas de protection. S'il est de nuit, on voit tout blanc, tranquille. S'il a le soleil, ça change et il revient tout, voilà, comme le lever du soleil. C'est pas mal, c'est magnifique. Je ne l'utilise pas trop, surtout l'hiver, parce qu'elle est très costaud. Avec, voilà, le caillou et tout ça. Alors, il y a une autre que j'adore, que c'est celui-là. C'est mon préféré, parce qu'il est très... dynamique. En plus, il a des lumières intégrées derrière. C'est magnifique. J'adore. Et celui-là,
j'ai un casque que j'utilise souvent pour aller travailler parce que je me mets la protection, voilà, là. Il y a en plus une caméra, pas GoPro, c'est Color 370, on grimpe 90, pardon. Pardon, et on grimpe très très bien. Et c'est comme ça, vous voyez, on voit pas personne, personne ne voit les yeux, tout ça, et c'est décroché très très bien. En plus, ça on peut le glisser avec une boîte des lunettes spéciales pour changer. Mais ça, c'est pas des trottinettes, c'est pas des vélos, c'est pour faire des tirs. Vous voyez, ça coûte un peu cher. Je peux dire que ces lunettes-là, ça coûte plus cher que le casque. Vraiment, ces casques-là, je l'ai acheté en solde. J'ai payé combien en solde, 60 euros, un peu comme ça, parce qu'il était au 120. Mais il est un très bon casque, très léger. Et en plus, on peut changer toutes sortes des lunettes. On peut mettre jaune, blanc, tout ce qu'on veut. Mais il est très bien. Celui-là, rien. Celui-là, il est parfait. En plus, on peut mettre notre caméra vidéo ici aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai 1, 2, 3 et même je m'enregistre en face. Bon, je vais entre les électriques. Et après, on a la meilleure de tous. C'est quelle? Alors, c'est celui-là. Alors, celui-là, c'est un truc de fou. Celui-là, c'est, on peut dire que c'est un casque de moto, c'est vrai. Mais pour faire la trottinette, bon, pour faire le roller, on ne va pas faire avec ça. Pour faire le vélo, on ne va pas faire avec ça. Mais pour un moto, le scooter, les trottinettes électriques, il est pas mal. C'est vrai que ça fait un peu astronaute, mais il est parfait. C'est italienne. Et elle est très constant. Je l'utilise seulement en hiver, elle est magnifique. C'est un casque que vous n'avez pas, vous n'allez pas croire. J'ai payé ça au Lidl Prague, je me dis, tiens, je vais l'acheter. Regardez, bien fait. Si je ne me trompe pas, je crois que j'ai payé le même prix au solde de celui-là. 60 euros. Et l'italien. Ça vient d'Italie. Alors qu'est-ce que ça donne? Plus, si on met le casque, plus. Voilà, c'est magnifique. Alors ça, c'est ma connexion de mes casques. J'ai pas beaucoup, seulement j'ai 100. Hein. Après, j'avais donné des casques de moins qualité à personne qui ne voulait pas. Mais il est bien, mais celui-là, il est parfait. Ça fait bien quand il fait trop froid et bien, parce que moi, normalement, je vais au travail en trottinette, je ne prends pas les transports communs, et c'est magnifique. Donc, j'ai vu une trottinette. C'était parfait, parfait. Voilà. Moi, je vous montre ça parce que je vous conseille. Là, pour moi, c'est la meilleure de tous. Ces marques-là. Alors, celui-là, elle est très bien parce que pour changer en hiver, la visière en blanc, il est très léger. Il a des lumières derrière. On peut faire plein de trucs. On peut mettre ici, machin. Bref, c'est très, très léger. C'est très souvent. C'est très sûr. Alors, celui-là aussi, il est pas mal, c'est une bonne marque celui-là. On est entre 60 euros, un truc comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait une modification spéciale. Voilà, mais c'est super aussi. Alors, ça, c'est ma collection de casques. Alors, pour moi, je pense que pour faire trottinette électrique, celui-là, et la meilleure pour faire de roller, c'est celui-là au vélo. Voilà, alors je vous ai montré ma petite collection de casques. Ah, surtout aussi, j'ai des directionnels, protection, même si je fais trottinette électrique, j'ai des protections. J'ai plein de protections, j'ai des protections très 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 spéciales pour les menus. Voilà, comme ça, si tombe, j'ai déjà tombé. J'ai tombé en trottinette électrique à 25 km par heure. Et je ne m'ai pas fait de mal. Bon, mon pantalon est cassé. Alors, moi, je vous recommande ces casques-là. Il est très bien.
pour les personnes qui sont en train de bouger, voilà, acheter un casque, c'est mieux. Celui-là, c'est parfait. Avec celui-là, mais je pense qu'il est les 120 euros, un truc comme ça, mais. Alors voilà, je vous montrerai ma connexion des casques avec mes amis de Facebook. Bisous, bisous.